Hello and welcome to The Watches TV. Today we are going to speak about a special model because of its hands that are extendable. This is the Oval Pantograph from Parmigiani Fleurier. Actually, this watch has been inspired by a pocket watch for the 19th century, but to fit into a wristwatch, the mechanism was completely re-engineered. So let's go and listen to Michel Parmigiani about the specifications of this new watch. Pantographe, ça s'adresse à des aiguilles qui sont extensibles. Ce sont des bras entrecroisés avec des pivotements et des charnières à chaque endroit. Elles tournent comme autour d'un axe, mais au centre, vous avez des cames. Elles induisent un développement de l'aiguille qui suit le profil de la boîte ovale. Un jeu de cames totalement différent, innovant, qui n'a jamais été réalisé. Mais avec une très forte inspiration de la pièce ancienne. Ces aiguilles extensibles, en fait, elles ont été créées pour faire un objet merveilleux et par le merveilleux, surprendre. Maurice Yves Sandeau était justement un personnage qui aimait collectionner le merveilleux. Donc, il a fait l'acquisition de cette pièce extraordinaire. C'est une pièce anglaise, très décorée, avec des demi-perles, avec de l'émail. C'était typiquement ce genre de montre qui était vendue sur le marché chinois à l'époque. On a créé deux montres bracelets en hommage à cette collection. C'est l'heure passante et les aiguilles pantographes. Si on change d'échelle, on doit changer de philosophie de travail aussi. Et ça, c'est pas simplement en miniaturisant que ça va automatiquement fonctionner. Donc, il a fallu trouver des matériaux, il a fallu trouver une précision dans l'exécution pour éviter les frictions inutiles. Parce qu'à chaque genouillère de l'aiguille pantographe, vous avez une friction. Donc, on a dû fabriquer les aiguilles en avional, en aluminium en clair. On a dû aussi conférer aux aiguilles des ébats nécessaire pour que ça puisse tourner, être libre. Et donc, on a cette aiguille qui a une souplesse. Dans le cadre d'un choc, cette aiguille va flotter comme ça et puis elle va se retrouver à son état originel. C'est un mouvement hebdomadaire avec l'indication de la réserve de marche dans le cadran. C'est une montre objet, c'est une montre que l'on montre. On fait la démonstration et ça surprend. C'est uniquement quand on fait la mise à l'heure que l'on comprend la subtilité de ce mécanisme.